Hey, salut tout le monde et bienvenue sur France et Gaming, on se retrouve pour les élections présidentielles. Allez, on est dans le débat télévisé, nous commençons parce que oui, je vous ai un peu planté dans le dernier épisode, je suis sûr que vous êtes en mode « Mais c'est pas normal Francis, t'es qu'un bip, tu es aussi qu'un bip et tu es une bip !» Eh ben oui, je suis une bip, et je l'avoue, je suis une bip. Et oui, une bip. qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, c'est nul, hein. Oh là là. Qu'est-ce qui est bien? Sport de masse. Sport de compète. Oh, bon, non. Aide au milieu défavorisé. Bon, non. Colonie de vacances. Bon, non. Mouvement scout. Bon, non. Colonie de vacances. Bon. Ça alors. Vu que. Non, qu'est-ce qui dépense le plus? Ce qui dépense le plus, ça signifie que c'est plus attrayant. Attrayant. Oui, moi parle France. C'est que c'est beaucoup plus social. Oui, bah, j'appuie. Bah alors non. Là, bon non. Là, bon non. Et là, bon non. Bah alors c'est sport de compète. Le sport est l'école de la voilà. Jeunesse. Voilà. Bon, j'ai gagné un petit peu. Mais le sport c'est compliqué aussi. Du groupe et de l'effort. Si nous voulons que ces valeurs continuent à se transmettre à nos jeunes, trop souvent en manque de repères, il faut être déterminé pour se donner les moyens. Je m'y engage. Oh. Merci. Il s'y engage. À votre tour. Que pouvez-vous nous et toi, dire Bibi? Oh putain, t'as une air désespérée. Waouh! Il est porteur de valeurs de solidarité, du sens du groupe et de l'effort. Ah, je me sens nous bien d'un coup. Que ces valeurs continuent à se transmettre à nos jeunes, trop souvent en manque de repères, il faut être déterminé pour se donner les moyens. Je m'y engage. Oh, engage-toi, merci. Bibi. Et maintenant, nous allons aborder un deuxième sujet. Vas-y. Alors, oh là 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 là. Attends quoi? Économie budgétaire? En ces temps difficiles, il est essentiel que les services de l'État consentent à quelques sacrifices budgétaires. Qui bah oui, bah oui, bah faut pas voter pour ça. Hein. Oui. Et vous souhaitez voter pour ce genre de change. Je m'engagerai donc dans cette perspective. Votez pour moi, voyons. De réduction des déficits qui protégera les générations à venir. T'en es sûr? Bien. Et là, j'arrive comme ça. T'en es sûr? Ils sont là, dans les campagnes. Ça m'a fait trop rire quand il a fait ça, quand elle a fait ça quand même. Au niveau de l'éducation, on va prioriser leur salaire. L'éducation nationale ne doit pas être analysée sous le prisme de dépenses, mais et voilà. Investissement sur. J'ai vu ça. C'est la connaissance de nos jeunes d'aujourd'hui. Une belle quenouille. Le décollage de notre croissance de demain. À ces fins, ma politique éducative sera un axe majeur de mon mandat. D'accord. Merci à tous les deux. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. Les candidats vont pouvoir se questionner directement. Oh, ça c'est simple. Bien. Mais non, tu m'as pris un truc qui est lamentable. Un sujet que vous avez assez galvaudé, je trouve, au cours de la campagne. Armé, mais... Mais s'il te plaît, quoi, je ne sais pas. Oula, si je crée un service national, ils vont pas être contents. Plus de commandos. Notre défense nationale est le pilier de notre souveraineté. Mais c'est nul l'armée, qu'est-ce que tu peux dire? Enfin, c'est nul l'armée. Non, mais dans ce truc, ça fait rien, ça gagne rien. Et à mettre à disposition les il faut moyens qu'ils nécessaires divisent à leur crédibilité vis-à-vis des menaces potentielles. Même l'agriculture, ça serait un peu plus intéressant. Enfin, je gagnerais plus. Allez, alors toi, l'armée. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. T'en penses quoi, toi, de l'armée? Une position assez obscure, me semble-t-il. Et voilà. Merci. Alors tais-toi. Désormais au terme de notre débat, il ne reste plus qu'au candidat à conclure et peut-être à nous révéler une dernière promesse. Ouais. Sécurité sociale. Mais je l'ai fait, ça.
Il est essentiel, dans une société où la demande de santé augmente constamment, d'assurer un accès à des services de santé de qualité. Et je vous assure. Je peux vous assurer que je mobiliserai les moyens nécessaires pour garantir ce droit fondamental. D'accord. Ben nous... Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, allez, on va miser sur la recherche. On va augmenter le nombre de chercheurs. Allez. Voilà. La recherche est la planche de salut de notre économie. Nous devons encore et toujours favoriser l'innovation pour emporter les parts de marché. Je crois que ça, on aurait fait un autre. C'est ce que font nos concurrents internationaux et c'est je crois que vous savez qui voter, hein. Eh bien, encore merci à tous les deux d'avoir su garder une bonne tenue à ce débat. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez pu vous faire une image plus précise de nos deux candidats. Votez pour moi. Notre système de sondage instantané a, quant à lui, désigné un vainqueur. Bonne soirée à tous. Ah, ouais, votez pour moi. Pendant ce temps, en Turquie, c'est chaud, hein. Si chaud. Et ouais, j'ai conquis le public. Comme l'année dernière, mais c'était chaud. Non, l'année dernière, c'était... Enfin, pas l'année dernière, il y a quelques mois, c'était assez chaud. C'était assez serré. Mais là j'ai conquis. Hein. Ouais, mais l'armée, ils sont chiants de dire l'armée. Alors, vas-y, Bibi. Ça bug toujours, là. Je sais pas si c'est un bug ou c'est un monsieur. Bonsoir. Ils sont en mode... Ah. Les premières informations viennent de tomber. Les voici en image. On est là. Hein. On est celui qui est en or. Oh. 10%. Non ! Mais c'est énorme ! 19%. Oh ! Waouh, les mecs ! On m'informe qu'un des candidats... Oh, c'est énorme ! Nous l'écoutons. Je découvre en même temps que vous les images. Waouh ! Mes chers concitoyens, les urnes ont rendu leur verdict. Mais c'est déjà très bien ! De ma peine, je veux adresser un grand remerciement à tous ceux qui ont cru en moi. Oh. Je veux leur dire que le combat que nous avons mené ne fut pas vain, car dès demain, je reviendrai sur le terrain politique pour faire entendre ma voix. Ah ben t'inquiète. Mes amis, ce soir, nous sommes tristes. Mais je vous promets que dans un avenir pas si éloigné, nous nous retrouverons à nouveau, et ce sera pour fêter notre victoire. T'inquiète. Mais là, en vrai, notre parti, il s'est vraiment amélioré. Oh là 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 là. Score débat TV. Ah, vous voyez, c'est important le débat TV. D'accord. Faut qu'on mise vraiment sur le débat TV. Score région. C'est toujours un score de merde au niveau des régions. Ok, Bon, désolé, hein, y avait mon père qui était rentré. Et c'est personnel. Bon. Le score débat TV, c'est très important, on le voit. C'est très très précieux. La popu, c'est important. Les régions, c'est important. Mais j'ai toujours du mal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal. Il faudrait qu'on s'améliore un petit peu au niveau des syndicats et tout pour améliorer un petit peu. Aussi avec les assos. Les assos, franchement, on pourrait améliorer tout ça. Handicap. Eh, franchement, ça passe. Hein. Les syndicats. C'est pas mal aussi. C'est très très bien. Au niveau des syndicats. Non, en vrai, c'est nul à chier. Hein. Ah, si! Le syndicat des syndicats. Syndicat. D'accord. Ok, mais il y a les syndicats où ça va. Les religieux, voilà. Ah, ça m'étonne pas. Et les sectes, on est quand même pas mal. Et les régions, ben moi je suis totalement mort dans les régions. J'ai du mal. Hein. Je n'y arrive pas. Bon, ben en tout cas, notre parti, franchement, on regarde quand même. On est quand même très important. Hein. On fait quand même 19%, c'est beaucoup, c'est très beaucoup. Bon, on aurait pu gagner, mais c'est quand même pas mal ce qu'on a. On va espionner tout le monde, on va même espionner celui-là. On est quand même très très bon, et j'en suis très fier, puisque on va enfin pouvoir améliorer notre, on a déjà amélioré notre partie. Et donc, notre prochaine, vu comment on a évolué, on pourrait, dans le prochain,
pouvoir gagner, hein, pouvoir gagner et terminer cette saison, enfin cette saison, cette série secondaire, franchement, qui a l'air pas mal. Pourquoi pas en faire une saison officielle, du genre on fait comme ça, on commence comme machin, et ensuite on réalise tous nos programmes, ce qu'on a fait, etc., ce qu'on a dit, ça pourrait vraiment être pas mal. Hein. Ouais, je suis en train d'y réfléchir, mais ouais, ça pourrait être pas mal. Pas accorder sa confiance, je le sais ça. hop là. Et il a 1% l'autre. Fais gaffe, hein. La Jordanie déclare la guerre à l'Irak. Ah, et en plus, il déclare la guerre à l'Irak. Oh. Eh, mais c'est pas possible, là. Qu'est-ce qui se passe? Eh, la Jordanie, faut se calmer, hein. Contre la Turquie, contre l'Irak. Faut être calme un peu, hein. Oh là là. Et je suis sûr que la Syrie va y jouer. Bon, je suis pas président de toute manière. J'ai envie de couper là parce que bon, ça va faire un court épisode, mais je sais pas, qu'est-ce que je peux faire. Bah, il faudrait qu'on reprenne un petit peu, mais bon. Prochaine fois, on fera un sit-in, ramassage ordures. Bon. La prochaine fois, on fera ça. On va améliorer un petit peu nos. Wow, ça lag. On va quand même essayer d'améliorer un petit peu nos résultats. Non, me dites pas que ça lag, c'est foutu. Non. GPS 4. Oh non. GPS 4, tu ne lag pas, je n'ai pas à sauvegarder, hein. S'il te plaît. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non. Non, GPS 4, voyons. Bon bah GPS 4 est cassé. Bon. Je vais devoir faire tout ça en solo. Génial. Bon. Au moins on sait. J'ai essayé de refaire la même chose. Je sais que GPS 4 ne va pas répondre. Ça ne sert à rien. Bon, au moins j'ai gardé cet épisode quand même. Je vais tout faire ça en solo, en off. Bon, c'est super. Je vais devoir tout refaire. Depuis 4 épisodes parce que je n'ai pas enregistré. Génial. Génial. C'est sympa. J'adore quand ça lag comme ça. Et ça me donne encore plus de travail. Bref, on se retrouve donc pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde.